Vous savez qu'au Maroc, on a estimé à peu près chaque jour 600 à 800 avortements qui se font tous les jours. Soit les avortements chez les médecins, soit les avortements traditionnels. Et ça, on voit ici, par exemple, à l'hôpital, arriver des femmes dans des situations dramatiques. Ces gynécologues qui pratiquent l'avortement clandestin, moi je dis, je ne rejette ni la pierre ni la fleur. Je ne leur jette pas la pierre parce que ils font un travail. Heureusement qu'ils sont là. Parce que imaginez que si ces gens-là ne faisaient pas ces avortements, les femmes vont aller faire l'avortement traditionnel. Et là, on va se retrouver avec des complications beaucoup plus graves, avec des décès beaucoup plus graves, donc plus nombreux. Donc, ils font un acte d'avortement, ça rend service, ça rend service à la population, ça rend service à l'État. Moi, je suis sûr que si tout le monde arrêtait de faire des avortements, c'est l'État qui va venir demander, s'il vous plaît, faites des avortements. Je ne leur jette pas la fleur parce qu'ils le font quand même de façon illégale. Sont contre la loi. Et donc, on ne doit pas faire quelque chose contre la loi. Moi, ce que je leur demande, c'est de se lever, c'est de nous aider à dire, nous vivons un problème, nous avons les mains liées, nous ne savons pas quoi faire. Faire l'avortement ou ne pas faire l'avortement. Et notre serment d'Hippocrate nous fait qu'on doit aider toute personne qui est en détresse. الناس ماشي بالضرورة أنكم تقدوا من عندي ولا شي حاجة، هو أنكم تردوا بالكم حيت ولاو نصابة بزاف. كاين اللي تيبيعوا في القراعي ولا كيجيبوا لكم في السوق في السلوفان وتيقول لك بلي راه حكا بحكا راه ما عندكش. Celles qui ont utilisé le Cytotec, mais le Cytotec, il ne se vend plus pas en pharmacie, il est utilisé à l'hôpital pour éviter les hémorragies importantes. Et il y a un autre médicament, l'Artotec, qui lui était vendu en pharmacie, mais quand l'État s'est rendu compte que les femmes l'utilisent pour l'avortement, il a été retiré du marché. ديك ساعات صافي دارت بيا الارض، ما عرفتش شنو غادي ندير، كل شي ساد، الطبيب ما قدرش نخرج، ما من الواحد ما كيخرج ما شي حاجه، صافي ما عرفتش شنو غادي ندير. بقيت كنشرب غير العشوب، داكشي اللي كيقولوا لي، كنت كنقلب في الانترنيت، كندخل لدي جروب فيسبوك كيبقاو يعطوا شي وصفات ديال العشوب. المهم هذاك الشيء ما واخا هكاك ما دار لي حتى شي حاجه. المشكل اللي وقع لي مع الكونفينمون، مع سدو كل شيء، سد حبسونا في الديور وداك الشيء، كنكتشف راسي بلا راني حامله. وصلت واحد الوقيته وانا ندخل الفيسبوك، لقيت واحد السيده كتبيع واحد الفانيد، هذاك الفانيد ديال الكورتاج. المهم داك الفانيد مشيت انايا السميه خديتها، بغيت ناخدها من لا فارماسي، ما بغاوش يعطيوه ليا، قالوا لي خاصني اوردونونس. ايوا اضطريت ناخدو من عند هذيك السيده في فيسبوك، حسبته ليا غالي. المهم خديته كليته، ما دار ليا حتى شي حاجه، بقيت كنساين 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 والو. صافي وصلت واحد الوقيته ما بقيتش قادره، قلتها لماما، قلت ليها ماما شنو كاين شنو كاين. صافي ماما تخلعات
معدها ما غادي ما عندنا ما نديرو. مشات شافت واحد صاحبتها كانت واحد السيده كتعرفها في السبيطار ديال الحومه، جات عندنا للدار حيتاش ما كانش ديك الساعه الواحد يقدر يخرج ولا يدي بلاصه ولا هذا. جات عندنا للدار دقات لي شي براوات ديال الاجهاض والو، حتى هما بقيت كنساين من وراهم واحد من ورا واحد يومين. ديك الساعات كنحس بلي راه هبطوا مني شي بحال الدم. ايوا صافي، انا قلت راه واقيلا صافي، راه داكشي صافي طرا الاجهاض. عاود تاكدت بلي راه فريمون انا باقا حامله. وصلنا واحد الوقيته صافي اتصلت بالدري اللي كنعرف، قلت ليه صافي انا راه خاصني ضروري نجي باش ندير لوبيراسيون. انا يا ديك الساعات كان عندي 4 شهور طالعه في 5 شهور، يعني كانت الحاله ديالي حرجه. والطبيب طلب لينا ثمن غالي بزاف، يعني طلب لينا 5000 درهم. مشينا لهذيك الكابينه، لقينا بزاف ديال لي كاب بحال هكاك، لقينا بزاف ديال البنات. المهم هذاك النهار داز صعيب بزاف. Ce projet de loi, donc, a été adopté par le Conseil de gouvernement en 2016, puis il est passé au Parlement pour être discuté au Parlement. Il est resté de 2016 jusqu'à 2018, rien. Aucun, vraiment, le silence total. En 2018, j'ai fait un courrier au chef de gouvernement, M. Atmani, pour lui dire où est-ce qu'il est ce projet de loi, pour lequel on s'est beaucoup battu. Il a dit oui, le projet de loi, il est au Parlement, il va être discuté. Effectivement, en 2019, nous avons fait encore un sit-in devant le Parlement pour demander à ce que ce projet de loi voie le jour, à ce qu'il soit discuté. Effectivement, il a été discuté. Ça a pris beaucoup de temps, jusqu'à décembre 2019, où il a été complètement discuté. Pas seulement. Pas ce projet seulement sur l'avortement, mais il a été introduit dans un amendement de tout le code pénal marocain. C'est pour cela que ça a pris beaucoup de temps. On se disait, décembre 2019, ça y est, il a été discuté. Maintenant, il suffit juste de passer en plénière pour qu'il soit voté. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, rien. On n'en parle plus. Et c'est ça, justement, qui me dérange. Alors, le problème, c'est que quand on voit toujours la différence entre les pays qui ont légalisé l'avortement et les pays qui n'ont pas légalisé, la mortalité maternelle est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importante dans les pays légalisés que dans les pays non légalisés. Le taux de mortalité maternelle, il peut atteindre les 800 pour 100 000 femmes, pour 100 000 naissances. Alors que les autres, c'est même pas 10 pour 100 000 naissances. Nous avons vu des femmes ayant le vagin brûlé par du permanganate de potassium. Nous avons vu des femmes qui sont venues avec des tétanos post-avortement. On a vu des femmes qui sont venues avec des septicémies et qui sont mortes avec des septicémies. Nous avons vu des femmes qui sont venues. J'ai beaucoup de cas. Une femme qui a absorbé des produits, qui a fait un coma et qui en a fini avec avec une hémiplégie. Il y a énormément de cas que je peux vous rapporter.